Jean-Marc Malard, ouais, je suis peintre depuis quelques années. Là, dernièrement, on s'est regroupé avec deux amis, on a fait un collectif. Et Denis qui a un atelier bleu près de Toulon, on est tous d'origine varoise. Et lui, il a un atelier où il travaille le bleu depuis des années. Donc ça a été un peu un ralliement pour nous. Donc on a travaillé, moi j'ai travaillé quelques toiles sur le bleu. Et puis là, on présente une petite collection qui a été faite pas mal pendant le confinement, etc. Ce qui nous a regroupés, c'est l'envie d'agir un peu pour la planète, etc., à travers ce qu'on savait faire. Bonjour, je m'appelle Pascal et mon nom d'artiste est Calou. Je viens des Landes et je fais essentiellement de l'abstrait, des couleurs. Vincent Saint-Gonin, j'habite à Orange, j'ai un atelier à Orange au 14 rue Victor Hugo, à Orange 8400. J'ai un grand plaisir d'exposer au jardin d'Yvonne quelques toiles avec une technique un peu particulière, non pas que je fasse un clin d'œil à Soulages, mais un petit peu aussi, et je ne me consacre uniquement que noir ou blanc depuis quelques années. Voilà, et peut-être que l'année prochaine, ça recommence, comme Florence voulait que j'expose, et ben, ça sera avec plaisir, parce que maintenant, il y a vraiment de la qualité, mais c'est vraiment un plaisir. Et puis le cadre est magique, et merveilleux le cadre. Patrice, avec un S, comme Matisse, je suis autodidacte. J'ai commencé la peinture il y a un an et je me cherche, comme vous avez pu le voir par rapport à mes toiles, entre le pouring, l'abstrait, le réel et une petite personnalisation en souvenir des francs avec le tableau et des pièces de monnaie. Entre les interstices et les espaces en pointillés. J'invente. La corruption des néons. Suspendu. Et les chevelures électriques. Les clameurs du sol. À l'intérieur se répandent sur leurs talons. J'invente. Je marche somnolent et j'oublie. En marge, je surgis. Mais je grimpe les marges inconstantes de la vie. Comme happé par l'envie. Sur le rythme lancinant des rêveries, sans répit, je marche en sursis. Je marche. Des prisons insolentes sur lesquelles les cœurs armés de peinture étalent leurs fresques assonnantes. Des désordres éthérés, des couleurs atrophiées, un crachat de flaques indélébiles. Thank you.
Troisième édition accueillie dans les jardins de Monsieur Moulin qui accueille la manifestation et beaucoup de gentillesse, d'amabilité. Une manifestation que j'allais dire très qualifiée de très agréable parce que l'association de Florence est une association extrêmement sympathique. Florence est encore plus sympathique que l'asso. Et puis sympathique aussi par la diversité des œuvres, la diversité des artistes. Certains, je connais. Il y a une dame de Fontvieille, je crois, qui expose, que je connais bien. Je crois qu'elle s'appelle Joël. Hein, je la connais bien, n'est-ce pas, Vincent? Toi aussi? D'autres amis, notamment des artistes de Mossane, que je connais plus particulièrement. Voilà, dans un cadre magnifique, une expo magnifique et beaucoup de sympathie et de fraternité entre les artistes, et ça c'est particulièrement agréable pour le maire. Ben voilà, l'exposition a commencé aujourd'hui, vendredi, elle se termine dimanche. Bien, nous sommes très contents de cette première journée, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup tous les artistes sont enchantés par le lieu, par le public, par l'organisation, voilà, tout le monde est... Formidable. Le temps était... au rendez-vous. Au rendez-vous. Voilà, le temps était au rendez-vous, le son était au rendez-vous, toute l'organisation... Profiter des super spectacles, je pense, a dû plaire à la majorité des personnes ici présentes. Il y a eu quelques ventes et on espère un peu plus demain, qu'il y ait un peu plus de monde. Il y a déjà eu beaucoup de monde, mais on en attend encore davantage demain et dimanche, bien sûr. Et le spectacle, il y aura encore deux représentations, une dimanche à 18h et une... Non, dimanche à 11h et une samedi à 18h.